Salut à tous. Alors, je m'excuse, j'ai pas fait de vidéo d'un petit moment, mais la mise à jour des indicateurs m'a pris beaucoup de temps et j'ai pris un peu de temps pour souffler et voyager un petit peu en Europe. Donc là, je vous fais une petite vidéo de l'étranger puisque le temps est dégueulasse, malheureusement. Donc, on va faire un petit point crypto. Alors, sur la vidéo publique, on s'était arrêté par ici. Alors attendez, c'est un peu le bazar. C'est un peu le bazar. Donc on refait le point long terme. D'accord? On attaque par le Bitcoin parce que mine de rien, ça reste un peu la référence. Le Bitcoin, comme je vous l'ai dit, on raisonne d'abord en 3 et donc il doit atteindre cette zone-là, 4430, pour atteindre une vague 3 ou une vague C, ça on verra, qui est égal à l'amplitude de la première vague impulsive. D'accord? Tant qu'il l'a pas atteint, je garderai une vue plutôt boule du Bitcoin, donc je favoriserai des comptes haussiers. Alors, lorsqu'on se met à favoriser des comptes haussiers sur le Bitcoin, eh bien on se rend compte, je vais enlever l'indicateur pour y voir plus clair, voilà. Hop, on se rend compte de quoi? Alors ça je peux enlever. Ça aussi, ça fait du ménage un petit peu, on y voit plus clair. Donc on a fait cette première vague de hausse que vous pouvez appeler 1 ou A, c'est une vague impulsive. On a corrigé en WXY probablement, ou ABC comme vous voulez, pour faire une vague 2, ou une vague B comme vous voulez, ça revient au même. Et là, on s'attend à trouver une troisième vague. Si on est plutôt baissier, c'est-à-dire qu'on fait une correction daily, on ne doit pas dépasser 1,618 d'extension de cette première vague ici. Ce que vous voyez, les carrés ici, là, noirs, c'est des niveaux clés identifiés par MarketReader, l'algorithme, qui peuvent éventuellement, vous voyez qu'il n'y a pas de niveau clé à ce niveau-là, donc peut-être qu'on va pousser vers ces zones ici. Et quand je regarde, donc là, on a une première vague ici. Okay. Une vague corrective ici, et on cherche notre troisième vague, dont l'objectif minimal est 4430. Donc maintenant, on va décomposer cette partie ici du graphe. Là, je pense qu'on peut voir une montée en 5. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5. Le RSI est bien divergent. Tout ça, c'est que des RSI avec des formules et des entrées qui ne sont pas exactement les mêmes que je teste à l'heure actuelle. Bon, quelle que soit la formule. On voit bien qu'il y a une divergence entre ce niveau et ce niveau. Ce qui nous fait plutôt dire 1, 2, 3, 4, 5. J'aurais pu penser à un flat, honnêtement, mais ça reste possible, hein. C'est-à-dire qu'on ait fait 1, 2, 3 comme ça. Possible, mais la durée de ça là, non, la durée de ça va pas du tout. Quoique c'est possible. 1, 2, 3, 4, 5. On n'a jamais recassé ça. Bof. Bof, on va rester sur ça à l'heure actuelle. On aurait plutôt fini une première vague de hausse ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui nous amène à une vague 1 ici. Donc j'efface celui-là. Ok, cette vague 1. On voit qu'elle a à peu près la même amplitude, enfin comment dire, le même degré en quelque sorte que cette vague-là, vous voyez. Mais elle n'a pas atteint l'égalité d'amplitude. Donc ce mouvement, je ne le considère pas fini. Okay? Je considère qu'on a trouvé potentiellement une fin de vague 2, vague 2 de ce mouvement-là. Hein. Hop là. Vague 2 ici. D'accord? Sur un ABC un peu moche, mais c'est tout à fait possible en ayant fait un triangle moche ici, la sortie brutale qui est le triangle trust, et on repart dans l'autre sens, pourquoi pas? Donc, quelque chose comme ça. Bon, ça change pas grand-chose dans l'absolu. Tant que Bitcoin n'a pas recassé 4181, eh bien, on ne peut pas affirmer que ceci est une vague 2 et on peut rester sous le joug d'un WX, par exemple, et Y, qui irait chercher du coup. Plus bas, d'accord? Et on peut, si c'est un WXY, la vague X est très probablement une vague en 3 assez simple ici, et on pourrait faire ça, 1, 2, 3, ce qui nous amène à une amplitude de 1 qui est par là, 4447, et on s'en approche, on s'en approche. Donc ça reste tout à fait
Possible. Surtout que si on va sur une unité un petit peu plus petite, qu'est-ce qu'on voit que là, on est en train de faire un triangle. Vous voyez quand ça fait du sideways comme ça. Donc on va sortir du triangle. Donc si on fait les triangles, c'est souvent des vagues 4. C'est souvent des vagues 4. Là, on a un problème, on a un problème de degré entre nos vagues ici. Parce que si ça, c'est une vague 4, comme ça. Oula, qu'est-ce qui se passe? Si ça, c'est une vague 4, ça veut dire que la 5 va être la sortie du triangle, va nous amener par là. On a un problème de degré. On a un problème de degré. La vague 1 est trop grande par rapport aux autres. Ça ne ressemble pas à une ending diagonale. Donc on a un problème de degré. Il doit falloir décaler 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a probablement fait une 1 ici. On a probablement fait un flat là. Donc une 2. Donc on cherche une 3 comme ça. Une 4 et une 5. Et donc il faut rajouter le compte d'un degré inférieur. Qui donnerait quelque chose comme ça. La première vague là, la deuxième vague là, la troisième vague là, la 4 et la 5. Ça, c'est un compte micro. 1, 2, 3, 4, 5. On va regarder les ratios Fibo, voir si ça va. Mais ça a tout l'air d'être sans. Enfin, d'être une extension 1.618. Ouais, voilà, c'est ça. Si on sort du triangle, ça va nous amener. Oh. Si on sort du triangle ici, si c'est bien un triangle, on va sortir un peu brutalement et on va venir chercher à peu près ce niveau-là. Ce qui ferait qu'on trouve une vague 3 ici. Je vous fais l'analyse en live parce que c'est plus intéressant de juste regarder le compte. Ce qui nous fait une vague 3 par là. Voilà, vous voyez ici cette zone-là, c'est la zone des 1.618 d'extension. D'accord? Donc très probablement qu'on peut venir chercher effectivement cette zone-là qui fera une 3 de ce degré, qui finira cette vague-là. Et ensuite, on poussera un peu pour aller casser ce plus haut ici. Qui fait que le 3 violet, il va venir là. Il va venir là. Et le 5 violet, on verra après. Donc en gros, là, c'est toujours des histoires de degrés. Quand vous avez des vagues qui s'entremêlent comme ça, il y a deux possibilités. Hein. Ou c'est un WXY et en fait, voilà, on va se retourner très vite là. C'est-à-dire, on ne va pas aller beaucoup plus loin. Elle arrive un petit plus haut pour atteindre 100% et boum, on retombe. Dans ce cas-là, ben, la zone. De rachat du Bitcoin, ça sera bon. Là, pour l'instant, on peut pas faire avec précision. Il faudra attendre qu'on se retourne. Mais si on compte qu'on va up encore un tout petit peu, on va se mettre par là. Voilà, ça nous fera une zone de rachat qui est par ici, donc jusqu'au niveau d'invalidation. Voilà, ça fera quelque chose comme ça. Ok, donc là, c'est à voir. Hein. Donc dans ce cas-là, on mettra un X par là. Bon. Bon. Enfin, X par là, n'importe quoi. Hop, on se retournerait plus vite que ça, donc ici, en fait. Voilà. Donc ça reste possible. Le Bitcoin est vraiment, vraiment plutôt en sideways, ce qui permet aux alts de performer. C'est la performance des alts hein, qui me fait dire qu'on devrait monter hein, sur le Bitcoin. On devrait au moins atteindre ça. Après, on verra. Il faut voir la gueule de l'amplitude. Parce que si ça, c'est une vague 1, dans cette amplitude-là, que ça, c'est une vague 2. Il faut voir comment va se développer la vague 3, la 4 et la 5. Si la 5, celle-là, elle vient mourir pile dans cette zone ici, là, ça va commencer éventuellement à sentir le roussi. On aura une impulsion, une correction, une impulsion qui se termine pile dans cette zone-là. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une vague 3 étendue. C'est-à-dire, enfin, on ne fait pas une vague 3 qui atteint 1.618. Donc, on n'invalide pas du tout un ABC possible. Donc, on rentrera dans la zone où tout peut se retourner instantanément. On rentrera dans la zone de turbulence, mais on n'y est pas encore.
On n'y est pas encore et on voit qu'on n'y est pas encore parce que les alts, il leur reste un peu de place pour pousser. Donc le Bitcoin, un peu flou, c'est très clairement un des plus durs à compter. Voilà, il y a beaucoup de possibilités. Je suis d'accord que ça, là, ça ne vend pas l'impulse de rêve. Alors, quand ça ne vend pas l'impulse de rêve, il y a toujours deux possibilités. Ou on fait des 1-2-1-2, c'est exactement ce que je vous ai mis là. Et dans ce cas-là, après, on pousse assez fort. C'est pas ce que montre le compte non plus. Donc vraiment, il faut voir. Ou alors, ben, c'est que le 1-2-1-2, c'est en fait 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Et on fait un WXY avec un X en 3 également. Et après, on se retourne. C'est pour ça que je ne suis pas du tout friand de trade le Bitcoin à l'heure actuelle. Je veux bien l'acheter quand il arrive sur des niveaux intéressants, mais pas plus, il ne m'intéresse pas beaucoup plus. Ada, ben Ada, je vous les colle sur le Discord depuis un grand moment maintenant. Il me semble même que j'avais mis sur TradingView, je ne me rappelle plus. Donc on a acheté la case verte, vous pouvez demander à ceux qui sont sur la partie abonnée du Discord, je ne trafique pas le truc. On a acheté la case verte, on a pris des profits aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'on arrive à 100% d'extension de la vague, alors je vous le refais, ADA c'est pareil, on a une vague 1 ici ou ici. Moi, je pense qu'ADA il a fait comme beaucoup d'autres, il a fait un expanded flat, mais bon. Ça change pas grand, enfin ça change un peu, mais pas tant que ça à l'heure actuelle. Pareil, là, il y a une montée qui est en 5, donc j'ai une vague 1 qui est ici. On a fait une correction en 3, donc je mets une vague 2 ici. Et lui, il a une tête qui est quand même beaucoup plus impulsive que le reste. D'accord? Donc si je raisonne, grosse UT. Grosse UT, c'est pareil. Cette vague-là, qui peut être une vague 1 ou une vague A, hein, et la vague 2 est ici, qui peut être une vague 2 ou une vague B, ça je vous l'ai dit, c'est comme on sent, enfin on verra, et elle doit atteindre la zone d'égalité d'amplitude qui est ici. Ok? Qui est là. Donc, tant qu'on n'aura pas atteint ça, ou que Bitcoin n'aura pas atteint sa zone d'égalité d'amplitude, je pousserai le compte d'ADA vers le haut. D'accord? Donc on a fait, à mon avis, une vague 1 de degré inférieur ici, on a trouvé la vague 2. Ok? Si je reporte l'amplitude de la vague 1 au bas de la vague 2, d'accord, ça nous donne une target entre 1 qui est ici et 1.618, ça nous donne une target qui est là-dedans. Ok? Donc là, on est arrivé sur 1. Aujourd'hui, on va le toucher. Donc, on prend 30% de profit. Le stop loss, il est remonté ici. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on a acheté dans cette zone-là, le stop loss est là, donc il ne coûte plus rien du tout, quasiment. On prend 30% des profits ici, parce qu'on arrive sur la zone d'égalité de ça. D'accord? Et donc on se protège toujours, parce que je sais que tout le monde veut compter 5, 3, 5, 3, 5, comme Elliott Wave l'a dit, mais il y a quand même beaucoup de marchés qui font 3, 3, 3, 3, 3, 3. On fait que beaucoup de WXY, WXY. WXY avec des flats, mais bon, c'est une autre histoire. Pour l'instant, on pousse toujours le compte vers le haut. Donc la validation ici, on a acheté là, ça on peut enlever, hop, voilà. Donc des profits sur l'extension, et je vise toujours d'aller à cette zone-là, et comme par hasard, cette zone-là, c'est 1.618 de cette extension ici. Donc, nous allons voir. Là, je pense qu'on est en train de finir éventuellement le compte noir, 1, 2, 3, 4, 5. Le RSI diverge bien, vous voyez. Alors, on a une triple divergence du RSI, de ce RSI-là en tout cas, depuis ce sommet-là. Donc, ce qui va bien avec une troisième vague, en fait, la troisième vague rouge. Ça, je vous ferai une vidéo pour les abonnés spéciale dédiée au RSI et comment le RSI vous aide à compter les vagues d'Elliott. Et pas uniquement la divergence et la cinquième vague. Il y a beaucoup plus complexe que ça, mais aussi beaucoup plus puissant. Et je vous rappelle que Elliott, hein, quand il a fait sa théorie, il n'avait pas le RSI, hein. D'accord? Donc il faut avoir, enfin, il faut observer les marchés pour apprendre à adapter et pas suivre bêtement tout ce qu'il a dit. Il y a des informations qu'il ne pouvait pas avoir. Hein. Je vous rappelle que pour les FIBO aussi, il devait tout tracer à la main. Hein. Donc il ne pouvait pas non plus étudier tous les ratios FIBO possibles. Et si vous regardez bien dans les marchés, il y a quelques niveaux FIBO qui reviennent beaucoup plus souvent si vous comptez un tout petit peu différemment. Que si vous faites 5-3-5 de manière un petit peu forcée, il y a d'autres niveaux FIBO qui marchent extrêmement bien. Si vous modifiez un tout petit peu la façon de compter et que vous voyez plus de 3 et moins de 5, ça, des fois ça colle beaucoup mieux. Donc je pense qu'on a fini le compte noir ici. Ok.
Éventuellement, il peut toujours pousser, en tout cas il diverge, hein. En tout cas on commence à diverger sur les RSI. Ici, on a bien un RSI qui fait un plus haut ici, plus haut sur ce mouvement-là, donc on est très probablement dans une vague 3, ben c'est ça, tant mieux. On est très probablement du coup dans une vague 3 de 3, ben très probablement, tant mieux, parce que c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, donc on est bien dans la vague. Enfin, ça c'était bien une vague 3 d'une troisième vague. Donc elle peut continuer de pousser, hein. Si c'est une 3 étendue, ben, elle va pousser, pousser, pousser beaucoup plus que ça. Donc c'est pour ça que je lui laisse tout à fait la possibilité. Parce que là, vous voyez, on voit 1, 2, 3, 4, 5 comme ça. Mais on peut imaginer très bien ça, hein. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? La 3, si elle fait un point, enfin elle peut pousser, elle peut être très très étendue, hein. Donc ça me paraît moins joli et moins probable comme compte, mais on va voir comment ça se passe. En tout cas, c'est la différence entre un analyste et un trader, hein, ce que je vous dis. Et le trader, il vous dit exactement ce que je viens de vous dire. On peut toujours pousser le compte vers le haut. L'analyste, il peut toujours dire ça. Le trader, lui, il a besoin quand même d'encaisser ses bénéfices à des moments. Donc là, après, c'est propre à la stratégie de chacun. On touche une égalité d'amplitude qui ne casse pas le plus haut. Donc on peut toujours faire 1, 2, 3. D'accord? Donc 3. 1, 2, 3, d'accord, je vous le fais, on peut faire un WXY, hein. C'est toujours possible, correction du deuxième degré, on descend en 3, on monte en 3, 1, 2, 3, tac, et on redescend en 3, WXY, grosse correction, beaucoup plus profonde de ça ici, c'est toujours possible, je sais pas ce que je favorise, d'accord, mais c'est toujours possible, et c'est bien la différence entre l'analyste et le trader, l'analyste il vous dit voilà, ça c'est possible aussi, le trader il est bien obligé de, à un moment, faire un choix, moi je choisis de TP un petit peu ici, et de remonter mon stop loss ici, donc le trade me coûte déjà plus rien, il rapporte déjà quelque chose, et maintenant j'attends de voir comment veulent se développer les vagues, car l'objectif c'est d'atteindre ça. Ce que vous commencez à voir, ce que j'essaie de vous dire, c'est que si on a fait 3 là, ici, que là on fait 4 et qu'on pousse une petite 5 pour casser le plus haut, ça nous donnera une 3 rouge qui est assez courte. D'accord? Qui est vraiment courte, qui dépasse à peine 1. Donc tant qu'on n'a pas cassé le plus haut, on est toujours sous le joug d'un WXY possible. Si on casse le plus haut avant le week-end ou dans le week-end, et qu'on se met à corriger sérieusement, on pourrait coller une vague 3 ici. Mais pour moi, les vagues 3, elles doivent atteindre 1,618. Sinon, ce n'est pas des 3. Et sinon, on fait que du 3. Enfin, on fait que des mouvements en 3, du coup, ce n'est pas une vague 3. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on décale le compte. C'est-à-dire que le 1, 2, 3, 4, 5 devient une vague 1, d'accord? Qui est une vague, la première vague de la vague en 3 rouges. Et donc, on fera 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Et dans ce cas-là, on poussera notre compte vers le haut. D'accord? C'est pour ça que je vous dis que je force un peu le compte bull sur le Bitcoin, même si je suis d'accord, c'est pas du tout valide encore, parce que j'ai l'impression que les alts, à moins qu'ils fassent une grande vague 3 étendue pour venir chercher ça directement, et finir le mouvement, dans ce cas-là, bon, ben, tout restera possible. Mais il y a quand même la possibilité que les alts soient en train de démarrer une énorme vague 3 qui pousse plus vers le haut. Attention, je vous dis pas qu'on est ultra bull et que c'est parti et tout. Je dis, c'est une possibilité. Mais vous voyez bien que cette possibilité, je l'ai en tête, mais c'est pas forcément pour ça que je change ma manière de trader. Je prends des profits ici et je sortirai quasiment tout ici. J'en laisserai probablement un peu où je monterai les stops au fur et à mesure, parce que ma target daily, elle est entre 1 et 1,618. D'accord? Elle n'est pas juste à 1. Et 1,618, ben ça fait quand même 25% la différence entre 1 et 1,618. D'accord? Donc, et je ne vais pas tout sortir ici. Je vais tenter de pousser, voir si on veut aller plus haut. Et le fait que on fait peut-être juste une vague 1 noire ici, qui poussera la vague 3 beaucoup plus haut, ça peut nous amener, du coup, en décalant tout le compte rouge vers le haut, à trouver une vague 5 ici, qui pourrait également être une vague 3 comme ça. Là, je vous ai perdu, je le sens, mais. D'accord? Et voir beaucoup plus haut sur les alts. D'accord? Ou alors on a fait A, B et on vient chercher le C dans cette zone-là et on retombe pour aller chercher le vrai bottom cette fois-ci. Mais à mon avis, si on recasse ce plus bas-là, on n'est pas loin d'avoir trouvé le vrai bottom, hein. Le prochain retournement sera le bon probablement. En attendant, je pousse le compte vers le haut systématiquement. Alors, notre petit copain EOS. Ethereum, pardon.
Alors, notre ami, c'est un peu exactement la même chose que les autres. Sa zone d'égalité d'amplitude, elle doit être vers 180 à peu près. On a des niveaux clés de market reader qui sont vers la zone plutôt des 187, 188, et puis la zone des 211, 222. D'accord. Il a cassé son plus haut. Par contre, Ethereum, donc en une vague 1, je pense qu'il y a un pulsive avec une des divergences bien visibles, donc pas trop de risques non plus, je pense. Même question que les autres, il n'a toujours pas recassé ce plus haut ici, donc on n'est jamais à l'abri d'une double correction, hein, ce que je vous explique souvent sur le Discord, hein, c'est que on peut toujours faire une double correction, c'est-à-dire là on fait 3. 3, 3, donc c'est le WXY rouge. Si je passe en 1 heure, je vous montre pourquoi. Donc ça, ce serait le W rouge. Ça, ce serait un W dans le degré inférieur. Donc ça ferait un WXY. Et on sait que le Y qui se termine entre 1 et 1,618. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut trader ces deux ratios. Et oh là là, on est venu dedans pile, méché, et boum, derrière, on retombe sévère. Donc c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. En attendant, on peut toujours avoir fait une vague 1, noire, une vague 2, noire. Ici, on a cassé le canal 1-2, d'accord, sur cette mèche-là, mais qu'on a rejeté quand même sérieusement. On pourrait avoir trouvé une vague 4 ici. Vague 4 noire, hein. Et aller chercher du coup une vague 5 par là. Ce qui, au total, n'annule quasiment pas du tout la possibilité d'avoir un X ici. Hein, ça ferait 1, enfin ça ferait W, X, Y. Y étant en 3 également, faisant 1, 2, 3. Alors je vous le dessine parce que je pense que c'est pas facile. L'idée, c'est qu'on fait W, X, Y. Enfin, qu'on pourrait faire, hein, d'accord? Avec le X ici qui est en W, X, Y, ou ABC, hein, enfin je veux dire là je regarde pas en détail, mais et celui-là qui est en W, X, Y. D'accord? Donc tout peut converger encore hein, vers une correction beaucoup plus profonde. Ok? Ça ne change rien que si on anticipe que des corrections profondes, ben, on va rater beaucoup de trains. On est dedans depuis 126 avec ETH. D'ailleurs, pourquoi j'ai effacé le truc? Voilà, on est dedans depuis les 126. On a remonté l'invalidation sous ces deux potentiels ici. Donc le trade ne coûte plus rien. C'est-à-dire que si on vient se faire stopper, eh bien on n'aura rien perdu. Et on rachètera la double correction. D'accord? Donc vous savez, hein, c'est toujours pareil. On achète des 3, 7 ou 11 swings. Parce que c'est ça qui nous intéresse. Et donc, je suis en train d'essayer de regarder. Hein. Voilà, donc c'est la même chose. Voilà, mon 3, il est là. Non, je vais le changer de couleur parce qu'il est noir aussi. Et ça ne va pas du tout. On va le mettre en fuchsia. Voilà. J'efface un peu les fibos qu'on voit quelque chose. Ouais, ce qui nous ferait un 3 ici. Alors, dans cette zone-là. Ce qui fait que je remets la fibo. Oui, bah c'est ça, un 3 qui va chercher 1,618, donc ça c'est parfait. Et puis une vague 4 éventuellement, et puis une vague 5, c'est toujours pareil, qui nous amènerait par là, qui viendrait casser le plus haut de cette vague 1, ici. Et donc dans ce cas-là, ce 1, 2, 3, 4, 5 serait uniquement qu'une vague. Bon, désolé, petit coup de fil privé, je ne me rappelle plus ce que je disais. Donc en gros, c'est toujours pareil, on a acheté une correction en 3. Clairement, là, ça a pas l'air de ressembler à la plus belle impulse du monde, donc c'est pareil, c'est ou une 1-2-1-2, et dans ce cas-là, on va arracher un peu vers le haut derrière, ou c'est pas du tout une 1-2, et c'est un WXY de taille, enfin, donc une correction du deuxième degré, et dans ce cas-là, c'est pas grave, le stop est gratuit, déjà, on rachètera plus bas, le niveau d'invalidation général de cette vague ici étant là, d'accord? Ce niveau-là, c'est l'invalidation, enfin, ce que je l'appelle l'invalidation, je crois l'appeler stop loss plutôt. C'est le stop loss du trade actuel. Voilà. Donc un stop win, quoi, on pourrait l'appeler.
Mais c'est la même idée, tant que TH n'aura pas atteint sa zone d'égalité d'amplitude, c'est pareil, je pousserai le compte vers le haut. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire XLM, que je vous avais call sur le Discord pour tout le monde. Acheter dans cette zone ici. Donc, vous voyez, hein, comme quoi, c'est toujours pareil. Bel achat ici. Belle montée derrière. Donc, on a quand même fait un trade à plus de 50% de montée depuis la zone d'entrée. Donc, quand même un très joli trade avec la majorité des profits qui ont été pris ici sur cette vague 3. Là, on est en train de faire une vague 4 et probablement qu'on a fait la vague 5 pour terminer. Si on regarde les zones d'égalité d'amplitude, qu'est-ce que ça donne? Et on a arraché le 1 et on est pile dans la zone où on peut se retourner. D'accord? Parce que là, j'ai écrit 1, 2, 3, 4, 5, mais ça peut être A, B, C, c'est toujours pareil. Donc, on pourrait pousser encore plus haut le compte pour chercher une 5 dans cette zone-là. Le stop loss, voilà. Donc là, c'est invalidation, on va l'appeler. Stop loss, donc il a été. Une grande partie des profits ont été pris ici. Le stop loss est remonté là. Pourquoi? Parce que on doit théoriquement pas trop revenir chercher cette zone ici. Si on va chercher une 5, ben, on doit pousser pour y aller, pour finir les profits ici. Autrement, le trade s'arrêtera là et ça fera quand même un joli bénéfice. Donc là, rien à faire sur XLM. Il fallait rentrer dans le wagon ici. Là, il faut surtout pas acheter maintenant. On peut très bien là tout repartir vers le bas. C'est un peu la question à l'heure actuelle sur les cryptos. Mais comme je vous dis, tant que Bitcoin n'est pas venu au moins casser le dernier plus haut daily qu'il a fait, bah, j'ai tendance à toujours laisser les alts vouloir monter. Si on regarde rapidement le Litecoin, ça aussi un Litecoin très très beau trade. Hein, je vous rappelle, acheté à 30 dollars. Enfin, acheté à 30 dollars pour le deuxième trade, le premier a été acheté dans la zone des 25 dollars, rachat après dans la zone des 30 dollars, et regardez où on en est à l'heure actuelle. Voilà, donc depuis le premier achat, on a pris 150%, depuis le deuxième achat, on a pris 100%. Voilà, Litecoin, il a régalé, il fait plaisir. Donc Litecoin, lui, par contre, est très intéressant. Moi, je vois un running flat ici. Si vous voyez une 1 qui s'arrête là, le 1.618, il est ici, il est à 60.18. On l'a cassé. Ce qui, pour moi, veut dire que ça, c'est une vague 3 au minimum et c'est que cette vague 3 n'est pas finie. Donc, il y a beaucoup de comptes possibles, hein, c'est-à-dire que cette vague 3 peut s'arrêter ici. D'accord, donc je verrais bien quand même encore un push un peu plus haut là pour au moins chercher. Vous voyez, j'ai mis l'alarme sur les 65 dollars sur un compte qui peut énormément varier. Il y a beaucoup de possibilités là, il y a tout qui est un peu mélangé à l'intérieur. Mais en gros, où on a fini là, cette vague 3 ici, ça doit diverger dans tous les sens. Ouais, ça diverge dans tous les sens, mais c'est normal. Hein. Je vous rappelle que les vagues 3 étendues divergent tout le long. Où on a éventuellement fini une vague 1 ici, j'y crois pas, un pet pour moi ça, là je pense que ça c'est une 1 qu'on a fait, donc on a fait une 2 ici, et donc là on part chercher une 3 beaucoup plus grosse, bon ça c'est le compte le plus boule de boule, hein, que j'ai un peu craqué dessus, mais il reste possible hein, et valable hein, au niveau FIBO, c'est-à-dire que on viendrait chercher une 2 de correction, puis tout pousser vers le haut, ce qui nous amène au bout du compte avec un Litecoin vers 100 dollars, c'est archi boule, je suis d'accord avec vous, il y a probablement d'autres comptes que j'ai effacés. Si j'ai laissé cette case-là, c'est que ça, c'est probablement une grosse zone à surveiller pour un retournement ou au moins le début d'une correction très profonde. Je vous avoue que là, je ne me rappelle plus tout ce que j'avais compté. Je sais que c'était illisible tellement il y avait de comptes possibles. 1, 2, oui, voilà, ça, ce serait la première vague de la troisième bleue. D'accord, donc en cherchant une 2 ici, et voilà, ça, c'est le compte le plus boule qui pousse jusqu'à 100 dollars. Sinon, la vague 2 est là. Maintenant, pourtant là, ça fait bien 1. On a une 2 comme ça. Et là, pourtant là, ça fait assez clair. On a 1, 2. Et on pourrait avoir fait 3, 4, 5. D'accord? Et là, on a 1, 2. Oh non. Oh non, non, non. Je pense qu'on a fait vraiment quelque chose comme ça. On pourrait même avoir fait ça. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on a 1, 2, 3, 4, 5 à l'intérieur de la 3 qui est étendue.
4, 1, 2, 3, 4, 5. On pourrait avoir fini la 5 ici. On pourrait tout pousser comme ça. Donc ce qui fait que, ouais, d'ailleurs, ça me semble plus logique. Bon, ça c'est à prendre avec précaution. Hein. Mais le Litecoin, là que je vous dis, il n'y a plus du tout d'achat à faire. C'est pour ça que j'ai arrêté de batailler. Hein. Je cherche plutôt des zones de sortie à l'heure actuelle. Mais c'est tout à fait possible. Une 3 étendue comme ça, on fait une petite 4 et on repart. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'on diverge entre ces sommets ici? Oui, on diverge bien entre ces sommets et ces sommets. On a peut-être fait ça. Ce qui fait qu'on revient sur l'idée toujours qu'on peut faire A, B, C. Le problème, c'est que C casse 1.618 et pour moi, c'est dire que c'est plutôt une 3 que je favorise. Et donc, si c'est une 3, on n'a fait que la première vague de la 3 et donc ça veut dire que ça pousserait très haut. Quoi qu'il en soit, ça c'est une vue d'analyste. La vue du trader dit que moi je vais prendre quasi. Là j'ai déjà pris des. Voilà, toutes les cases rouges, hein, c'est là où j'ai pris des TP. Au fur et à mesure, bien sûr, je les enlève. Hein. Ici, clairement, je pense que j'en aurai plus beaucoup et j'aviserai si. Là, en fonction de comment on est, si sur les pullbacks, je continue de racheter. En tout cas, là, on n'est pas du tout à l'heure où il faut acheter du Litecoin, hein, pas après une montée comme ça. On devrait à un moment quand même retracer. D'accord? Mais je verrais bien, petit push encore pour aller chercher cette zone-là, ou au moins la zone des 66$. C'est-à-dire qu'on pourrait l'étendre un peu comme ça. Voilà. Au moins cette zone-là, quand même, je verrais bien un petit push avant de corriger plus profondément, ou de se retourner, ça, on verra. Mais vous voyez que le niveau d'invalidation. D'accord, d'ailleurs on va l'appeler stop loss parce que c'est faux, hein. C'est pas une invalidation du compte, c'est le stop loss du trade qui est un stop win, hein, je vous rappelle qu'on a acheté ici, et qu'il y a encore des profits qui ont été pris là. Voilà. Bon, vous avez compris, c'est toujours le même principe de compte, toutes les cryptos sont corrélées, donc globalement, le fait que lui pousse beaucoup me rend plutôt boule aussi sur les autres, en attendant que Bitcoin casse son dernier plus haut. Je vous dis, à partir du moment où Bitcoin va casser le dernier plus haut daily, on va rentrer dans la zone où tout va pousser vers le haut sévère. Je pense que les alts corrigeront versus BTC à ce moment-là. Mais que surtout, on va rentrer dans la zone où ben, on a eu une petite poussée des alts parce que le Bitcoin faisait un peu de sideway. Mais que si Bitcoin se retourne pour aller chercher le bottom final, si celui-là n'était pas le bottom final, les alts vont probablement corrigé très sévère également. Donc, affaire à suivre. En tout cas, pour l'instant, tout suit le cours annoncé dans les 3, 4 ou 5 dernières vidéos. Donc, c'est pour ça que j'en fais pas entre-temps. Hein. Quand vous avez la target, le point d'entrée et la target, ce qui se passe au milieu, c'est juste pour amuser la galerie. Donc, voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée.